majeur force mystique. Alors, j'adore ce DJ, cette musique. Qu'est-ce qui est arrivé à Vida au club l'autre jour? On a remarqué un changement dans son attitude. Ça va? Ouais. Je protège mes yeux du soleil. Tu as raison, je suis un vampire. Même si t'es un vampire, non, jamais je t'abandonnerai. Ah, je retrouve ma sœur et Briarwood n'est plus à la merci des monstres. Alors, si Vida était un vampire, elle serait coincée dans le cercle. Mon travail, Nécrolari. Merci, le Ranger Rose est toujours sous mon contrôle. Ah, Korag, tu n'es pas content de ce que Nécrolari a fait? À ce que je vois, elle vient de te rendre un service. Tu peux lui être reconnaissant. Je n'apprécie pas sa façon d'agir. Écoutez, je sais ce que vous essayez de faire, mais je vais bien. S'il vous plaît, libérez-moi. Tu sortiras bientôt, c'est promis. Oui, peut-être qu'il faut lui faire confiance. Peut-être que non. Si on veut que Vida s'en sorte, il faut détruire ce DJ. À mon avis, elle est sous l'emprise d'un autre vampire. C'est peut-être Nécrolai. Korag le saurait. Nick, Korag peut te contacter quand il le souhaite. Et toi, t'as déjà essayé de le contacter ou pas? Non. Mais je vais essayer. Non, j'y arrive pas. Tu as quelque chose à me dire, Ranger Rose? Une autre fois, Jim. Essaie de l'appeler toi-même. Il est dans la forêt. J'ai quelque chose d'important à faire. Occupez-vous de lui. Bon, qui reste avec Vida? Moi? Claire, tu sais très bien qu'elle essaiera de te convaincre de la libérer. Tu te sens assez forte? Sois tranquille, je peux te dire que je suis plus forte que j'en ai l'air. Écoutez, tout se passera bien, c'est promis. Oui, Chip. Je pensais affronter le Ranger Rouge. Eh bien, cette fois, c'est le jaune. Qu'est-ce que t'as fait à Vida? Je n'ai pas touché un seul cheveu de ton ami. Tu vas voir. Frappe éclair. J'en ai pas fini avec toi. C'est déshonorant d'affronter un adversaire plus faible que soi. Qu'est-ce que tu sais, toi, de l'honneur? Tu vas payer pour ce que t'as fait. Sceptre magique, yeah. C'est parfait. Non. Je ne pensais pas que tu étais devenu aussi puissant. Maintenant, je peux te détruire. Attaque du loup. Est-ce que ça va? Si vous cherchez celle qui a transformé le Ranger Rose en vampire, ne cherchez pas plus loin que Nécrolai. Nécrolai? Tu mens! Viens! Viens, ma servante! Viens! Viens, ma servante! Oui! Viens! Claire! S'il te plaît, aide-moi! Je vais m'évanouir. J'ai besoin... Vida! Si vous voulez délivrer le Ranger Rose, il faut battre Nécrolai. Pourquoi tu nous dis ça? Si vous êtes assez fort pour vaincre Nécrolai et libérer le Ranger Rose, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous aurez le droit de m'affronter. On relève le défi. Je le savais. Je suis vraiment désolée, mais elle agonisait et elle s'est évanouie, alors j'ai... Inutile d'expliquer, Claire. Et s'il lui était arrivé quelque chose de mal, je ne me le serais jamais pardonné à moi-même. Alors j'ai effacé un tout petit peu le cercle et là, elle s'est enfuie. Bon, elle t'a pas agressé? Elle ne t'a pas mordu au cou? Non, mais elle m'a poussé dans le cercle. Libérez-moi vite! Merci. Je vais rejoindre Oudona. Un enfant de 5 ans ne se serait pas fait avoir.
entendu rentrer. Ça alors, Vida est une sacrée petite farceuse. Elle a voulu me convaincre qu'elle était malade, mais... Oh, elle est où, Vida? Oh, maintenant, tu n'as plus qu'à revoir ta théorie. Bienvenue, mon enfant, dans le monde des ténèbres. Et si on trouve Necrolai avant Vida, comment on va l'éliminer? Elle nous fera pas de cadeau, elle. Le bouquin, il doit indiquer comment tuer un vampire. Chapitre 13, comment planter un pieu dans le cœur d'un vampire pour le tuer. À moins qu'on ait affaire à la reine des vampires. Justement, est-ce qu'il y a un moyen de l'éliminer? Non, aucun. C'est encourageant. Une minute, le xénotome, ils nous disent qu'on doit savoir quand on doit le savoir. Allons le consulter. Xénotome, comment faut-il détruire la reine des vampires? Le cristal de l'aube, c'est sûrement la seule façon de vaincre Necrolai. Ça dit comment en fabriquer un. Mais ça demande du temps et des ingrédients qu'on aura du mal à trouver. Vous, oui. Mais moi, non. Dépêchons-nous. On n'a plus beaucoup de temps. Avant, il faut fabriquer le cristal. Avant quoi? Avant qu'il soit trop tard, c'est ce que vous insinuez? Soyez très prudent, Ranger. On risque la vie de l'une des nôtres si on échoue. Ça n'arrivera pas. Pendant que vous fabriquerez le cristal, nous, on retrouvera Vida. Non. Je reste seul pour le cristal. Je lui dois bien ça. Tu devrais te sentir privilégié. Ce n'est pas donné à toutes les filles de servir la reine des vampires. Oui, maîtresse. Être la reine des vampires a certains avantages, tu sais. Je peux circuler en plein jour aussi librement que la nuit. Et je suis invincible. Oui, tu as beaucoup, beaucoup de chance. Oui, maîtresse. Alors reste ici, mon enfant. Reste dans l'ombre. Tu y seras en sécurité jusqu'à ce que je t'autorise à rejoindre tes amis. Et j'ai même un cadeau que tu vas leur remettre. Des flocons purifiés d'une première neige, des poils de vampire bien secs, un mélange de plusieurs venins mortels. J'ai pas l'air d'un sorcier, là? Chip, tu es un vrai sorcier. Maintenant, remue. Vida! Vida! Réponds, où tu es? Hé, hey, Vida! Ne va l'abandonner. Ça y est, Chip, tu es prêt? Oui. Elle a peut-être quitté la ville, elle a peut-être été enlevée, ou peut-être qu'elle a... On la retrouvera bientôt. Je te le promets. Vida? Vida? Oh. Oh. Je vais bien. Calme-toi, j'ai passé une nuit difficile, mais tout ça, c'est terminé. Oh. On a réussi. Bien joué, Chip. On n'en aura pas besoin. Vida? Tu vas bien? Elle va même très bien. Elle a battu des Necrolai sans l'aide de personne. T'aurais dû nous appeler, on t'aurait donné un coup de main. Je sais, mais c'était mon problème. Tu comprends? Vaincre Necrolai sans l'aide de personne? Tu m'impressionnes terriblement. Au début, on était plutôt méfiants, mais elle est rentrée à pied en pleine lumière du jour. Très peu de vampires en sont capables. Gloire à Vida, la femme qui triomphe! La femme qui triomphe? Et aussi qui offre? Je les ai cueillis spécialement pour vous. J'adore les pommes. Merci. Un petit cadeau que je vous offre avec plaisir. Oh. Aux amis que je porte dans mon cœur. Oh. Udonna. Au Ranger. Au Ranger. Non, c'est pas normal. Elle n'a pas pu cueillir ses pommes. Il n'y a pas de pommier ici. C'est vrai, je les ai achetés à un marchand de pommes en venant ici. Et ça, c'est pas tout. Tu n'as pas reconnu ce geste.
Bien sûr que je l'ai reconnu. Seulement, je le fais plus. Tu me connais. Je suis pas du genre à garder quelque chose longtemps. Et je vais bientôt avoir des complexes si vous ne mangez pas ce que je vous offre. Non! Ah! Oh! Croyez-moi, c'est pas Vida! Mais arrête avec ces pommes, elles sont parfaites! Laisse-nous les apprécier! Tu penses que t'aurais apprécié? Où est-elle? Vida, arrête-toi! Ça ne te servira à rien de t'enfuir! Mais je ne m'enfuis pas! Tu es une bonne servante, une très bonne servante. À ta clé! Oui, maîtresse. Oh, non! Vida! C'est trop magique! C'est parti! Yeah! Veillez sur elle. Je m'occupe de Necrolai. J'ai pas Disco Ranger. Ça va finir par nous coûter cher de veiller sur elle. Arrête! Tu nous reconnais pas? Rends-nous notre Vida. Jamais. C'est tout ce que tu as dans le ventre, Ranger? Et détrompe-toi, c'est qu'un début. Qu'est-ce que c'est? Juste un outil très performant, le cristal de l'ombre. Cercle magique, mode arbalète. Désolé de compromettre tes plans. Je t'interdis de faire du mal à ma reine. Allez, pousse-toi, c'est pas le moment. Tu l'as. Tu peux me faire ça? Tu devras éliminer ton ami pour m'atteindre, mais ton cœur t'en empêchera, n'est-ce pas, Ranger? Elle a raison, je peux pas le faire. Chip, la prochaine fois, ne me sauve pas. Il faut parfois sacrifier une personne pour pouvoir sauver toutes les autres. T'as raison, c'est le seul moyen. Je t'oublierai jamais. Débarrasse-toi de lui, ma servante. Oui, maîtresse. Tu as perdu. Non, fais pas ça, pitié. Reviens parmi nous. Tu nous manques, je t'en supplie. Reviens. Tu perds ton temps. Elle n'est plus humaine désormais. Vida. Qu'est-ce qui se passe? Vida, tu m'entends? Tu te souviens de moi maintenant? Viens, prends ma main. Non! Non, arrête! Pitoyable! Je te félicite. Vida! Je ne suis plus l'une des vôtres. Mon devoir est de protéger ma reine. C'est ça. Protège-moi, même si ça doit te coûter la vie. Oui, ma reine. Vida, je te mets au défi. Pour le bien de tous. Allez. Cristal de l'aube, activé. Chip, ne fais pas ça. C'est Vida. Elle est des nôtres. Repose ça tout de suite. J'ai confiance en toi. Ça alors? Quoi? Pourquoi?
fait le geste. Et même si elle disait qu'elle n'était plus avec nous, je savais qu'elle l'était. Tu vas piéger, sorcière rouge. Tu vas me payer cher. Il faut l'arrêter maintenant. Un compte sur moi. À nous de jouer. Fait preuve d'un grand courage et d'un grand pouvoir pour vaincre Nikolai. Voilà exactement ce que j'attendais. Super Major Endestros. Les descendants de Toulouse s'entendent. L'autre jour. Hein? En fait, je plaisantais avec les garçons. Oui, je le sais. Tu croyais que je t'avais prise pour un vrai vampire ou quoi? Bien sûr que non. Je dois y aller. Semble t'avoir affaibli. Oh non, maman. Viens.
reviens, ma chérie.